pourquoi est-ce que je retomberai sous la loi? Je n'ai pas à pratiquer le judaïsme pour aller se lancer dans un judaïsme qui, en définitive, a été aboli. Et nous formons l'Église de Christ. L'Église de Christ, elle est faite de juifs, elle est faite de non-juifs, elle est faite de grecs, elle est faite de français, d'américains, de tout ce que vous voudrez. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle. Laissez les juifs vivre leur judaïsme. On n'est pas des juifs. Nous aimons Israël. Moi, j'aime Israël. J'aime me rendre en Israël. J'ai été plusieurs fois en Israël. J'ai été à Jérusalem. Il y a eu en 70 la destruction de la ville de Jérusalem par Titus, avec les armées romaines qui ont incendié le temple. C'était une grande date de l'histoire. Et donc vous êtes pasteur, vous êtes également le coordinateur donc international du GATIEF, le GATIEF. Alors, expliquez-moi un peu. Il s'agit d'une mission qui travaille en relation avec l'ensemble des missions dans les différents pays et qui soutiennent des actions humanitaires et des actions missionnaires justement donc dans plus de 47 pays. Et la mission mère, c'est la mission Vie et Lumière nationale en France et aussi la mission Life and Light, Vie et Lumière internationale, qui est représenté dans une quinzaine de pays. Et le GATIEF est l'union de toutes ces missions internationales. Il est financé à la fois par les assemblées de Dieu américaines, financé par les enfants des églises réformées et protestantes de France. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons des rapports des renseignements généraux, nous avons des rapports du ministère de l'Intérieur, même du ministère de la Défense. Puis il y a eu la participation aussi du ministère des Affaires étrangères.